Bonjour et bienvenue dans le programme de podcast Métamorphose Méditation, 7 jours pour cheminer en conscience. Je suis Anne Ghesquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Pendant une semaine, je vous propose de méditer chaque jour pendant 20 minutes avec une personnalité lumineuse et sélectionnée pour la qualité de sa pratique. Je ne peux que vous inviter à vous régaler de toutes ces voix différentes et observer ce qui émerge en vous. Vous êtes les bienvenus que vous écoutiez ces podcasts en cours de route ou dès le début. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Méditation Romuald Leterrier que j'ai déjà reçu dans Métamorphose. Il est un ethnobotaniste, chercheur et spécialiste du chamanisme amazonien et des plantes de vision, auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier à paraître en octobre, Se souvenir de l'au-delà, qui fait suite à son premier livre, Se souvenir du futur, avec Jocelin Morisson. Aujourd'hui, Romuald va nous enseigner dans cette méditation comment explorer son chaos intérieur pour recevoir des messages du futur. J'ai le plaisir de recevoir Romuald Leterrier. Bonjour Romuald. Bonjour. Alors Romuald, qu'est-ce que tu vas nous proposer pour cette incroyable méditation? Dans cette méditation, j'ai voulu un petit peu modifier mon outil pour l'adapter, on va dire, à un champ de recherche nouveau, hein, qui est en lien effectivement également avec mes recherches sur le futur. C'est le fait que nous avons constaté, par exemple, dans nos ateliers, que notre corps avait comme une sorte de bruit de fond aléatoire, une sorte de chaos intérieur qui est lié à notre système nerveux central, aux multiples interactions et rétroactions plutôt, on va dire, biologiques de notre corps, qui crée une sorte de bruit de fond. Et ce bruit de fond est susceptible d'être le support d'une conscience se trouvant dans le futur, votre propre conscience se trouvant dans le futur. Donc le but de cette méditation, de cet exercice, est d'aller chercher par la voie de l'introspection des informations, des éléments qui vont vous servir en fait à partir de ce flot aléatoire d'informations en lien avec votre capacité de visualisation, d'imagination, qui vont être capables de nous servir, ces deux éléments, à créer une synchronicité dans la réalité, c'est-à-dire de tenter de créer un événement qui soit en lien avec ces deux éléments que nous allons aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes par le biais de cette méditation. L'idée est qu'ensuite, effectivement, quand vous constaterez cette synchronicité, vous repensiez à cette méditation et ce faisant, vous projetez du futur vers le passé de cette méditation les informations qui en constituent la matière, qui vont vous permettre dans le futur de voir cette synchronicité. Et donc, quelque part, de créer une boucle d'informations temporelles de votre conscience du futur à votre corps dans le passé, que votre conscience est capable de capter grâce à l'introspection, grâce à cette méditation. Quel magnifique programme! Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente méditation avec Romuald. Je vous invite à vous détendre, à respirer calmement. Je vous invite à porter votre attention sur votre corps. Ressentez celui-ci. Prenez conscience des sensations de votre corps. Prenez conscience de vos organes. Imaginez les interrelations entre des millions, des milliards de cellules et votre système nerveux, votre conscience. Imaginez cette introspection. Je vous demande, par votre conscience, de mettre votre corps en abîme, ou plutôt en abysse, pour y découvrir un univers chaotique, flottant. Sous le voile de vos paupières closes, observez le ballet incessant des phosphènes leur transformation perpétuelle, leur métamorphose. Vos pensées, elles aussi, viennent, apparaissent et disparaissent, se transforment, se métamorphosent également, sous le même axe, sous la même dynamique que ces phosphènes, régis par les lois du hasard, par un aléatoire qui est au cœur de votre corps, par un bruit de fond qui est celui de votre organisme distribué à travers le temps et l'espace. Je vous invite à présent à visualiser de petites lumières, des petits points de lumière, d'abord éparses, des scintillements. Ceux-ci se regroupent. Observez, ressentez. Ces petites lumières sont en fait de petites sphères, des sphères translucides que je vous invite à imaginer, à percevoir, à visualiser comme de petites bulles de savon, animées à leur surface de vortex, de turbulences, colorées. Celles-ci sont translucides. Laissez les pensées rebondir sur la membrane de ces bulles translucides. Laissez votre mental glisser le long de ces parois turbulentes. Oubliez. Laissez-vous glisser sur ces membranes turbulentes, faites d'indéterminisme, de chaos créateur, ce chaos qui est en vous, dans votre organisme, qui compose un bruit de fond, qu'il est possible d'interroger en interagissant avec sa conscience. Je vous invite à présent à vous approcher spécifiquement d'une de ces bulles et spontanément d'y faire apparaître l'image d'un animal, sans réfléchir, dans la spontanéité. Gardez cet animal dans votre mémoire, dans votre conscience. Je vous propose à présent de faire venir une deuxième bulle translucide et de faire apparaître à l'intérieur de celle-ci un symbole de votre choix, un symbole spontané. Le premier qui vous apparaîtra, ce peut être un paysage, ça peut être une forme géométrique, ça peut être l'image d'un rêve, ça peut être un symbole graphique. Peu importe. laissez venir. S'il y a plusieurs images qui viennent, laissez. Sélectionnez celle qui vous paraît être la plus importante pour vous, la plus marquante. Gardez bien à l'esprit ces deux bulles et leur contenu. L'animal et dans l'autre, le symbole. Gardez bien ceci en mémoire. Les petites lumières qui se sont transformées en petites sphères translucides et qui se sont réunies sont une représentation de la conscience collective. Gardez bien en mémoire vos deux images que vous avez fait apparaître spontanément dans ces bulles aléatoires, dans ces bulles de chaos, ce chaos qui est en vous et qui est porteur d'informations. Je vous invite à présent à sortir progressivement de cette atmosphère aqueuse, liquide, mouvante dans laquelle vous vous trouvez, à remonter progressivement vers votre conscience, votre mental, à remonter les échelons de votre corps. Cette remontée peut se manifester par un vortex, par un tourbillon, par une sensation ascensionnelle. Je vous invite à présent à poursuivre votre ascension, à revenir dans votre état de conscience de veille. Les deux images, l'animal et le symbole, que vous avez trouvés au cœur de votre chaos psychocorporels vont vous servir à créer dans la réalité une synchronicité. Reprenez conscience, calmement, dans la bienveillance, riche de votre trésor intérieur, de ces deux perles, de ces deux images, que votre conscience est allée saisir au cœur de ce bruit interne, corporel, somatique. Prenez le temps. Je vous invite à présent à vous saisir d'un cahier et de noter clairement sur celui-ci l'image de l'animal ainsi que celui du symbole. Vous allez ensuite demander à voir se manifester dans la réalité une synchronicité en lien avec une de ces images ou les deux, sous un timing précis. Ce peut être 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, voire plus, à votre guise et votre convenance. Je vous propose pour cette première expérience de mettre un timing intermédiaire de 2 semaines. Ce n'est qu'une suggestion. Lorsque vous constaterez dans la réalité une synchronicité en lien avec ces images, je vous invite à repenser à cette méditation, à repenser précisément au moment où dans votre introspection vous avez vu apparaître dans la bulle l'animal et dans l'autre bulle le symbole. Je vous invite à repenser à cette méditation, à vous en souvenir de façon très précise lorsque vous constaterez dans la réalité l'émergence de la synchronicité autour de ces deux motifs qui peuvent fusionner entre eux pour s'exprimer dans la synchronicité, ou bien sélectionner uniquement le symbole ou sélectionner uniquement l'animal. Le but de cet exercice est de vous montrer que vous êtes capable, à partir de votre futur, de vous renvoyer une information par ce flot d'informations aléatoires, somatiques, qui est distribué à l'intérieur de votre organisme à travers le temps et l'espace, sur toute votre vie, sur l'ensemble de votre existence. Je vous souhaite une très belle expérience et n'hésitez pas à les partager entre vous. C'est important car rappelez-vous, ces petites bulles représentent la conscience collective et la conscience collective est aussi à l'œuvre dans ce processus de création de synchronicité volontaire. Merci. Bon voyage. Romuald Leterrier, je te remercie infiniment pour cette pratique exploratoire. Je rappelle que tu es l'auteur de plusieurs ouvrages, La danse du serpent, l'enseignement de l'ayahuasca et chez Guitré Daniel, Se souvenir de l'au-delà qui fait suite à ton premier opus, Se souvenir du futur avec Jocelin Morisson. On peut te retrouver sur ton site internet www.romualdleterrier.com. Merci, à bientôt. Merci. Découvrez en avant-première les invités du podcast Métamorphose Méditation sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour suivre tous les épisodes de méditation gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.